Salut les petits amis, regardez ce que j'ai dans les mains. Un jeu Wii U. Bon sang, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait un jeu Wii U dans chez Marcus? Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des jeux Wii U, malheureusement. Sorti de Zombie U, de Lego City, qui est fabuleux. Il n'y a quasiment pas de jeux en exclu, en tout cas, sur Wii U, qui méritent vraiment le détour. On attend Mario Kart, mais ils ont dit 2014. Mais 2014, c'est pas possible, les gars. Donc on va se consoler, on va dire, avec Rayman Legends. Et vous allez voir que c'est un sacré lot de consolation. Alors, il devait être exclusif sur la Wii U, normalement. Et finalement, il sort sur toutes les consoles et en retard. C'est dommage, parce que c'est un sacré atout pour la Wii U. Bon, j'ai un peu peur qu'elle finisse comme la Dreamcast. La Wii U, à force de pas proposer assez de jeux. Mais en tout cas, Rayman Legends, c'est vraiment le jeu qui aurait pu redresser la barre pour Nintendo. Bon, bah, il va redresser la barre pour toutes les consoles. Tant mieux, on va pas se plaindre, puisqu'on pourra y jouer partout. Mais l'intérêt, c'est d'y jouer surtout avec le Wii U Gamepad. Alors regardez tout de suite, on va commencer en musique et en fanfare avec un jeu musical, c'est pas loin de Guitar Hero. Il faut que je joue en rythme et que je fasse tout en rythme. Donc je me tais et je me concentre. Et voilà, c'est pas fabuleux comme on sera en matière, les petits amis, c'est juste incroyable. Voilà, c'est un des grands numéros musicaux de Rayman. En plus, j'ai assuré, j'ai un maximum de points, donc ça va être la fête. Regardez, le compteur de points s'envole. Et comme j'ai réussi normalement, j'ai le droit à une petite musique disco à la fin. c'est trop fort, j'adore. Voilà, c'est qu'un des niveaux, il y en a plus d'une soixantaine, presque une centaine si on considère que... Et en plus, en bonus, on vous offre les niveaux de l'ancien Rayman, Rayman Origins. Donc il y a des niveaux qui ont été remixés, remis un peu au goût du jour, retravaillés. Donc voilà, mais il y a déjà 60 nouveaux niveaux absolument fabuleux. Dans des univers, mais vraiment de dingue, des trucs de fou. Il y a 6 univers différents, à chaque fois une dizaine de niveaux. Et toujours, mais complètement barré. Regardez, voilà, tout ça, c'est des niveaux juste d'un seul truc. Je vais aller faire celui-là, moi, encordé. Beaucoup, ça va me permettre de vous montrer comment on utilise justement le Wii U Gamepad que n'ont pas les autres consoles. Alors on se débrouille avec les autres consoles, c'est pas grave, mais vous allez voir que c'est quand même l'intérêt, c'est de jouer avec le Wii U Gamepad. Regarde, ça commence comme un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de normal. Vous tapez sur les persos, j'adore les. Toutes les animations sont fabuleuses, c'est juste incroyable. Les petits looms, les petites bestioles qu'il faut que je récupère me montrent un peu le chemin en général. Ça me permet de savoir dans quel sens il faut que j'aille. Voilà. Parfois il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Et regardez, là j'arrive dans une zone où je vais tout à coup. Regardez, il tape à l'écran parce qu'il veut que je le libère. Je sais pas si vous voyez. Donc je vais le libérer. Voilà. Et je vais m'occuper. En fait, lui va protéger mon personnage pendant tout le parcours. Donc regardez bien. Le personnage est là. Hop. Je vais couper cette corde là. Et hop, elle tombe à l'écran et maintenant il peut passer. Il y a des petits radis, j'ai oublié. Hop, je lui plante un radis, je lui mets sous le nez. Ouais, j'espère que vous voyez bien les petits amis. Ouais, je vais essayer de rester comme ça. Regardez, je tapote sur cette montagne, sur l'œil, elle se lève. Là, on va rentrer, c'est une vilain tentacule qui essaierait de me bouffer. Ça, je veux pas me le payer. Voilà. Je vais les déséquilibrer un petit peu. Ah, j'ai raté les petites cloches là-haut. Il y avait plein de looms qui m'attendaient. Vous voyez bien, hein, je vérifie, ouais, c'est pas bien. Donc c'est assez génial de jouer sur cet écran. On peut, par exemple, il y a un moment où on traverse un gâteau, faut carrément tracer son chemin au doigt dans le gâteau. On a envie de se lécher les doigts après, c'est assez drôle. Et ils ont trouvé, mais vraiment plein de façons d'utiliser le Wii U Gamepad. Vraiment, Ubisoft fait tout le boulot que Nintendo devrait faire. C'est-à-dire que c'est eux qui font les meilleurs jeux pour Nintendo, tout simplement, alors que c'est Nintendo qui devrait les faire.
Parce que on attend Mario Kart, hein, encore une fois, mais il est pas prêt d'arriver. Regardez, il y a hop, des petits êtres, des petites bestioles qui étaient planquées là-haut. Je les ai récupérées. Voilà. C'est vous, sale bête. Laissez-nous passer. Donc là, moi, je joue au Wii U Gamepad et c'est l'intelligence artificielle qui se charge de mon personnage. Mais si vous jouez à deux, il y en a un avec la manette de la Wii qui dirige le personnage. Regardez, il y en a un qui est caché dans les fourrés, quoi, que je l'avais pas vu. Je lui chatouille sous les bras pour qu'il passe. Voilà. Et donc, si vous jouez à deux, bah, c'est votre pote qui jouera le personnage et vous qui le protégerez. Donc, c'est juste fabuleux à deux. C'est fabuleux tout seul, ce jeu, mais c'est aussi fabuleux à deux. Regardez, je coupe juste les deux trucs, mais pas tout. Et regardez, il y a des passages secrets. Là, par exemple, j'aurais pu couper les deux trucs, on serait passé par en bas. Et non, on va passer là-haut où il y avait un petit bonus qui nous attendait. Hop, je dégomme un peu les adversaires pour lui frayer un passage. J'enlève le bouclier. Et écoutez cette musique un peu irlandaise, j'adore. Hop! Ah, j'avais coupé trop tard la petite liane, il aurait pu grimper un peu plus haut. Là, pareil, regardez, je pourrais aller tout droit. J'ai décidé d'aller en haut, puisque dans chaque niveau se cache un petit roi. Alors là, elle est déjà sortie parce que j'ai déjà récupéré, mais je vais vous faire voir comment on récupère un petit roi. Donc là, par exemple, il faut que je coupe les lianes, hop, au bon moment pour qu'il se balance un petit peu comme Tarzan. Donc pas trop tôt, pas trop tard. Là, c'était un peu tard. Ah, c'est raté. C'est raté. Ah là là là. Bon, je le refais. J'ai été, vous voyez, mauvais timing. Donc c'est des choses qui s'apprennent évidemment au fur et à mesure. Dans chaque niveau, vous allez avancer et apprendre des choses pour réussir à les passer. On apprend de ses erreurs, évidemment. C'est jamais trop trop difficile, il y a des moments où vraiment on a du mal à y arriver, mais on y arrive toujours. C'est pas un truc punitif comme pas mal de jeux de plateforme maintenant, malheureusement de nos jours. Je trouve que des fois c'est un peu trop compliqué. Là, hop, je coupe cette liane dans l'autre sens, et hop, il a récupéré tout le monde sans tomber dans la fosse. Voilà. Donc moi j'adore parce que je suis pas adepte de jeux de plateforme trop difficiles, trop lourdingues. Et là c'est toujours agréable, toujours fluide, toujours bien foutu vraiment. Des fois on galère, mais c'est normal, il y a des moments un peu plus difficiles. Mais on y arrive toujours quoi. En tout cas, oh là là, c'était pas bon ce que j'ai fait. J'aurais dû couper la liane un petit peu plus tôt. Voilà, pour qu'il puisse l'attraper. Non, c'est un peu court, c'est un peu court. Ah là là, c'est un mauvais coupage de liane au mauvais endroit, vous voyez, ça tient un peu de choses. Je vais la couper juste au milieu. Voilà, et là, il pourra passer de nul à l'autre. Là, je lui mets une petite pièce sur son chemin. Voilà. Là, on va rentrer sur gauche, parce que regardez, oh, un passage secret, il y a des passages secrets partout dans ce niveau. Et où je vais récupérer un autre petit roi. Alors regardez, une autre façon d'utiliser le Wii U Gamepad, je vais tourner. En fait, je tourne les trucs à l'écran. Voilà, jusqu'à ce que le personnage récupère. Voilà, super! J'ai tout récupéré. Ouf. Ah, ils sont contents, elle a droit à son petit bisou. Très bien, allez, on continue. Vous voyez toujours bien les petits amis, ouais. C'est pas facile de vous montrer le Wii U Gamepad. Mais bon, on y arrive quand même. Ça, il faut une caméra dessus la prochaine fois pour voir si ça marche bien. Allez hop, descends toi. Il y a une petite bestiole en bas, donc ah j'ai pas réagi à temps, mais il aurait pu passer en bas. Donc le but c'est de récupérer 8 petits êtres dans chaque niveau, plus les deux rois, qui sont toujours planqués dans un endroit pas possible. Allez, vas-y, saute, feignasse. Ah, il faudrait peut-être que je lui coupe une liane, ce serait plus facile. Faut tout lui mâcher le travail à cette bestiole. Allez, on va les libérer. Lui, je le chatouille sous les bras, regardez. J'ai beaucoup rire. Et moi aussi. Voilà, lui est caché dans les fourrés. Et voilà, parce qu'il y a une petite bestiole juste derrière lui. On lâche le fauve, voilà. Clac, lui aussi je vais le lâcher. On est presque arrivé à la fin du niveau, donc ça c'est un niveau relativement classique. C'est du jeu de plateforme pur et dur. Et encore une fois, si vous jouez à deux, c'est fabuleux, parce qu'il y a un gars qui joue le petit personnage et l'autre qui joue le protecteur. Donc vraiment, c'est très très drôle à deux, mais c'est vrai très très drôle tout seul. Donc il y a du jeu de plateforme pur et dur, par moments ça vire au shoot'em up, il y a vraiment de tout dans ce jeu, c'est assez étonnant. Ah, dommage, j'étais si près du but. Pas été assez attentif. Allez, on y retourne. Pas grave, j'ai pas été assez vif. Voilà. Regardez, si près du but, c'est quand même dommage. Et voilà, je suis arrivé, il y a carrément un feu d'artifice, c'est un jeu où vraiment on sait vous récompenser quoi. Ils se foutent pas de vous quand vous gagnez quelque chose, c'est vraiment la fête. Et des trucs on en gagne, hein, c'est assez hallucinant. Alors on gagne des points, on gagne aussi des tickets à gratter, c'est assez génial. Je vous fasse voir, c'est trop drôle. Sur l'écran, vous avez un ticket à gratter, comme les jeux à gratter.
petit trèfle à quatre feuilles, regardez. Voilà. Donc je gratte pour voir ce qu'il y a derrière et ce que je vais gagner. Là, j'ai gagné une créature. Donc voilà, donc on peut faire une collection de créatures. Elles sont dans un petit coin. Je vais pas aller vous faire voir là parce que je voudrais vous faire voir beaucoup d'autres choses. Elles sont dans un petit coin et évidemment, Attendez, où est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ouais, 20 000 looms sous les mers, histoire de changer un petit peu. Vous pouvez aller récupérer ces créatures. Elles pondent des œufs, elles pondent de l'argent tous les jours. Plutôt sympa de leur part. Où est-ce qu'on va aller? Je voulais faire le tout premier là, île flottante. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment des gameplays très très différents. Là, on arrive dans un gameplay où le personnage va flotter dans l'eau. Donc il n'y a plus tellement besoin de sauter. On peut toujours rire, regardez. Voilà, ça permet de sauter de plus haut, de plus en plus haut. Et il y a un truc alors fabuleux dans ce jeu, c'est les musiques. Qui sont mais absolument démentes. Pas de l'argent. Écoutez bien la musique quand vous allez sous l'eau. Évidemment, synchronisé avec ce que je fais. Regardez. Incroyable, chaque petite bestiole que je récupère fait une petite note. La première fois que j'ai entendu cette musique, je suis resté 20 minutes sous l'eau à attendre la fin de la musique. Tellement c'était génial. Allez, on va aller sous l'eau. Malheureusement, cette musique va s'arrêter pour être remplacée par une autre qui est tout aussi réussie. C'est incroyable, le travail sur les musiques est juste délirant. Il y a vraiment des musiques super dans tous les niveaux. C'est dingue, dans tous les styles. Là, écoutez bien. On va rappeler quelque chose. Donc là, c'est évidemment plutôt en mode infiltration. Faut pas que je me fasse choper par les rayons de lumière. Parce que si je me fais... voir, voilà, on risque de me tirer dessus. Donc je me dépêche de faire le tour. I'm free. On leur engage à eux, mais on comprend quand même ce qu'ils disent, les petits amis. Allez, je descends. Alors, toujours aller voir dans les recoins, évidemment. Regardez, là, par exemple, c'est chelou. Il y a un coin chelou. Ouh, ça, j'adore. Dès qu'on découvre un passage secret, c'est juste incroyable. Allez, je me dépêche, je reste à l'abri derrière cette grosse chenille. Encore une fois, si je croise un ray de lumière, ça active une alarme et je risque de me faire choper. Donc regardez, juste à la bonne vitesse. Mais j'ai raté. Je suis bon pour un tour pour rien. Regardez comme c'est fluide et bien synchronisé. Je vais exactement à la même vitesse que le truc. Pas plus vite, ni moins vite, ce serait chiant, on serait obligé de faire des à-coups et tout. Tout est fait dans ce jeu pour que ce soit parfaitement jouable. Il n'y a pas l'inertie pourrie qu'il y a dans les Mario, par exemple, depuis toujours, qui va toujours saouler. Ou même, vous savez, il y a eu le remake il n'y a pas longtemps de Mickey Mouse, Castle of Illusion, de DuckTales et tout. C'est super beau, mais c'est pas aussi rigolo, c'est pas aussi jouable qu'un bon Rayman. Franchement, je m'attendais à préférer ces bons vieux pots dans lesquels on fait les meilleures soupes. Et finalement, Rayman vraiment est totalement imbattable. Pour moi, c'est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps, carrément. Ça rappelle plein de classiques. Tiens, regardez comme c'est louche ce petit passage. Ouh. Ça me rappelle Rick Dangerous, par exemple, par moment, pour certains qui ont connu, il y a des passages qu'il faut connaître par cœur. Il faut vraiment, vraiment être dans le par cœur pour réussir à s'en sortir. Il y a d'autres passages qui rappellent Hiro, carrément, sur l'Atari 2600, pour ceux qui ont connu, un petit bonhomme qui avait des jetpacks dans le dos. Enfin, il y a vraiment, ça rappelle plein de gens. Écoutez la musique, surtout. Ça rappelle un Tintin et James Bond, non? Surtout, ne pas rester dans la lumière. Regardez comme c'est gracieux, comme je me fonds fluidement dans la pénombre. Là, ça sent le passage secret. Oh, alors surtout, ne pas se payer évidemment les mines anti-personnel, puisqu'au bout de deux, on a juste deux petits points de vie. Au bout de deux points de vie, on y passe. Bon, je vais pas retourner là-haut, on va essayer de finir ce niveau. J'ai tellement de choses à vous faire voir, tellement de choses que j'aimerais vous montrer. Oh là là, pourquoi je vais... Ah, je vais droit sur la lumière, je vais vers la lumière, c'est plus fort que moi. Et maintenant, c'est un truc... Je suis déconcentré, ça ne va plus du tout. Est-ce que je peux passer en dessous? Ça passe pas en dessous. Non, ça passe pas. Ah, Marc, ça passe pas. Voilà, je suis riche, mais à quel prix?
Hop. Encore un petit passage secret. Je passe en vitesse et en force. Vous voyez, regardez, j'avance juste à la bonne vitesse. Ça, je trouve ça, c'est génial. Voilà, tellement de jeux où on galère, où le personnage réagit pas vraiment comme on veut. Là, tout est parfait, vraiment parfait, parfait. Et puis alors, les graphismes, les décors, tout est nickel. Regardez, il y a des petites bulles à droite. Ça veut dire qu'il y a, voilà, une bestiole qui est planquée. Donc dans chaque niveau, vous avez 8 petits êtres à récupérer, plus 2 rois. Là, vous avez vu en haut, je les ai déjà récupérés en fait. Ça m'empêche pas de refaire le niveau. Pour le principe, il y a peut-être des choses que j'aurais ratées. J'aurais envie de voir, oh non, si près. Toujours si près du but, c'est toujours mon truc, moi, de me faire tuer bêtement. Alors, regardez, il y avait une petite fiole là-haut, c'est de ça que je voulais récupérer, puis ça me donne un point de vie en plus. Je peux nager plus vite si j'appuie là, ça va plus vite. Voilà. En douceur. C'est des pièces, j'aime bien ce principe, c'est des pièces que vous ne récupérez que si vous les gardez quelques secondes. Il ne suffit pas de la toucher pour la voir, en fait, il faut la garder au moins quelques secondes. Oh, mais c'est la grosse fête ici, très bien, à la fin du niveau, super. Génial, tout simplement génial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais aller faire un autre niveau, histoire qu'on voit un peu ce qui se passe. J'essaie de vous faire voir le maximum de choses, mais il y a des centaines de niveaux à vous faire voir, des tas de trucs vraiment dans tous les sens, donc vraiment... Faites-vous plaisir, offrez-vous Rayman, c'est juste un truc fabuleux, avec des musiques incroyables, des graphismes incroyables, des idées, mais de fous furieux, ils sont vraiment allés au bout de plein d'idées, je trouve ça vraiment génial. Allez, on va faire le Mont Olympe, alors ça c'est une thématique un peu plus, je cherche mes mots, je cherche surtout le nom. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je cherche surtout le nom du... Comment ça fait ça? La mythologie, voilà. C'est quand même pas compliqué comme... Non, je vais pas faire ce niveau-là. Je voulais vous faire voir un autre niveau. Donc je vais sortir du niveau, désolé. En plus, je perds du temps alors que j'ai des tas de choses à vous faire voir. Mais bon, j'ai sauté un peu hâtivement dans un tableau. Donc je repars. Moi, je veux lever de bouclier. Enfin, voilà, c'est le premier. Pourquoi je suis allé si loin? Pour vous faire voir vraiment, encore une fois, comment une autre façon d'utiliser le Wii U Gamepad... Je vais écouter la musique. Oh non! Bon, ça c'est un bullet time les amis, hein, il y avait longtemps. Allez, bullet time! Se faire tuer par le premier adversaire. Non mais il faut quand même le faire. C'est que je suis vraiment pas concentré. Non mais je voulais qu'on se concentre sur la musique. Écoutez, un bon vieux Sirtaki évidemment puisqu'on est en Grèce. Et regardez derrière, on aperçoit la constellation du cochon. Les petites étoiles que vous allez d'ailleurs remplir vous-même. Vous verrez, il y a des niveaux, on vous charge de remplir. Alors regardez, l'espèce de truc un peu bizarre qui sourit, c'est un bouclier que je vais utiliser pour protéger mon personnage. Donc, je prends Murphy, qui est le petit personnage qui manie tout ce qui se passe ici. Et Manny va s'emparer du bouclier que vous voyez là. Et je vais m'en servir pour protéger le personnage, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, par exemple, c'est très mal protégé. Évidemment, je regarde partout. Je regarde vous, je regarde de tous les côtés. Allez, on y retourne. Voilà. Merci. Le problème, c'est que vous voyez et que je vois aussi. C'est ça, c'est toute la difficulté là, pour moi aujourd'hui. Allez, tu peux y aller. Je peux continuer à tapoter, évidemment, les personnages. Vous voyez bien, hein. Je regarde l'écran, je vous regarde plus, je vous parle plus, je me fais comme si vous n'étiez pas là, d'accord? Sinon, on n'en sortira pas vivant. Alors là, par exemple, je vais me mettre en dessous, hop! Et vous voyez, je la trimballe, ce qui fait qu'elle va pouvoir flotter au-dessus des obstacles. Alors oui, vous avez vu comme personnage, j'ai pris, je sais plus comment il s'appelle, Twyla, petite référence à Twilight, c'est une sorte de guerrière un peu gothique, tout en noir. Il y a d'autres personnages que Rayman, il y a tous ceux qu'on retrouve, les globos, toutes les bestioles habituelles, plus ces petites des femmes barbares qu'on retrouve un peu partout et qui sont vraiment très très drôles, qui ont vraiment une bonne tronche, c'est vraiment des personnages super agréables à jouer. Ah, un petit radis, hop, je sors du sol. Allez, vas-y, monte. Fais ouf. Et je dis monte et puis en même temps, je prépare pas vraiment le bouclier au bon endroit. Hop, le radis, ça peut servir, ça tirera peut-être quelques points de vie. Allez, n'aie pas peur, ce coup-ci,
Ce coup-ci, j'assure. Donc encore une fois, ça par exemple, si vous jouez à deux, il y en a un qui dirige le personnage et l'autre qui fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire diriger le bouclier chargé de le protéger. N'oublie pas de frapper les ennemis, ça lui enlève un petit peu de travail. Voilà. Allez, allez. Excusez-moi, les amis, je suis concentré. C'est le boulot de vous faire voir le truc et en même temps de tenir l'écran pour que ça se passe bien pour moi aussi. Voilà, un plus deux sauvés. Voilà, au-dessus et en dessous tout de suite. Ouf. Alors regardez, ce petit mage va me donner le pouvoir de tirer des petits missiles. Ça, c'est assez génial parce que du coup, ça vire carrément au shoot'em up. Regardez, je monte, je descends. C'est moi qui choisis où je vais aller. Et il y a carrément des niveaux qui sont proches du shoot'em up avec des boss de fin de niveau, etc. Enfin, c'est vraiment assez dément. Là aussi, il y avait un passage secret, j'y suis pas allé. J'aurais pu vous le faire voir, mais je voudrais arriver vite à la fin de ce niveau. J'ai tellement de choses à vous faire voir. Allez, allez. Là, il y a des petits courants d'air. Donc, vous voyez, elle arrive à flotter grâce aux petites ailes qui sont sur son casque, un peu comme Astérix. Voilà. Ah, merde, 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 je crois qu'elle est morte. Allez, vas-y, avance. Donc, l'intelligence artificielle se débrouille super bien, beaucoup mieux que moi, vous pouvez le voir. Allez, je voudrais juste arriver à la fin de ce niveau pour voir le doigt de Dieu qui me fait beaucoup rire et qui m'en veut beaucoup. Oh, c'est pas vrai, Marcus, concentre-toi. On y retourne. Excusez-moi, les petits amis, hein, je vous lâche un peu, mais il faut que je sois concentré. Un passage extrêmement délicat. Allez, reprends le bouclier, je t'attends. Un petit radis, ça ne peut pas faire de mal. Oh bon sang, le doigt de Dieu! Ça, ça veut dire. Oh, je suis presque. Oh allez, je peux y arriver. Évidemment, c'est pas facile d'échapper à la colère de Dieu. Mettez-vous à ma place. Excusez-moi, hein, ça nécessite un centimètre de concentration, cette petite histoire. Voilà, super, un niveau de plus. Bon, vous aurez vu des tas de trucs. J'aurais voulu vous faire voir un truc génial, ça s'appelle le Kung Fu. Ça peut jouer entre amis, c'est vraiment super. C'est un petit jeu qu'ils ont rajouté. Ça, vraiment, ça fait un truc tout bête, mais on peut jouer à deux, à trois même dans chaque équipe. Il y a juste deux buts de chaque côté et c'est super réussi, vraiment. Bon, on n'aura pas le temps. Personne pour jouer avec moi, de toute façon, j'ai pas d'amis. Je voudrais terminer en musique, puisqu'on a commencé en musique, on va finir en musique avec un autre des niveaux que je trouve absolument fabuleux. Ça s'appelle Castle Rock et c'est un air bien connu qu'on va jouer alors en rythme, encore une fois, comme si on était dans Guitar Hero. Regardez, pour moi c'est le meilleur, c'est parti. Et là encore un je me tais pour être bien concentré. Bum it up! 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 Bum it up!
C'est vraiment comme Guitar Hero et on pourrait presque jouer d'oreille. Oui, c'est super synchronisé. C'est pour ça que je me tais. Oh, raté si près du but, c'est dommage. Allez, je finis quand même. Mais c'était beau, ça méritait le bullet time. C'est tout moi, ça. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir Paris. C'était Rayman Legends, le meilleur jeu de plateforme de tous les temps. Je n'ai pas peur de le dire. En plus, c'est français. Et franchement, les petits gars de chez Ubi ont vraiment assuré. Allez, je vous laisse, les amis. C'est fini pour aujourd'hui. Rayman Legends, vraiment, bonne annonce. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Le meilleur jeu de plateforme du monde. Je n'arrête pas de le redire. Je n'ai pas été payé pour ça. Mais juste, je trouve que c'est fabuleux. Donc, je vais le recommander. À bientôt. Et on finit sur un petit air disco parce que j'ai explosé les scores. À bientôt. Wouh!